Attention les stations fréquences, attention les stations fréquences pour Dundee 33, 14ODR 002 qui lance appel pour le QSO national du canal 27 avec le forum des ondes du routier. Pour les stations qui seraient déjà présentes, cette première demi-heure est filmée et après la suite du QSO hors vidéo. Les bonnes soirées à tous. 76 Dundee, le Jean-Paul Saint-Emilion. Les bonnes amitiés, les bonnes 73, les amitiés à ton QRA familial. Merci, le QRA familial retourne tout ça. Hachi, les bonnes 73 de ma part. Comment vas-tu Jean-Paul depuis le week-end dernier? Ben ma foi, c'est, ça va un peu bien. Beaucoup mal à la gorge, beaucoup arrivé, donc voilà. Je ne croyais pas pouvoir parler ce soir, mais bon, ça a l'air de tenir un peu. Alors, tant que je pourrai parler, je resterai, et sinon, ben, je m'en irai. Voilà, donc, pas de problème. Je suis bien là, je ne sais pas, j'ai entendu personne. Si j'ai entendu un coup de micro, au moins que ce soit toi qui l'ai fait tout à l'heure. Voilà, ce soir, je me suis mis avec le DK, puisqu'on n'est pas à la M, je peux venir avec le DK. Voilà, donc, retour à toi, Dundee, je ne sais pas s'il y a quelqu'un d'autre, ou alors QRZ en fréquence pour Dundee et Jean-Paul. Ok, enregistrez le break là-bas qui nous arrive de Pessac. Oui, je t'ai entendu d'abord. Les 73, Eric. Il y a Chameau qui vient de lancer un break là-bas. J'ai reconnu sa modulation. Eh bien, j'allais rentrer dans le vif du sujet, mais non. on va passer. Je vais faire un tour de micro. Si je commence déjà à bafouiller dès le début du QSO, ça va promettre. On est bien obligé de se mettre en USB à cause à chaque fois de l'éloignement des stations. Ouais. Parce que là, bon, nous deux encore, Sainte-Colombe, secteur les environs de Saint-Émilion, bon, ça va encore. Mais là, après, bon, ça s'en va directement à 50 km d'ici, là, au sud de Bordeaux. Et encore plus loin, Pessac, voilà, et puis bon, peut-être qu'on aura Fabrice qui arrivera, lui il est quand même assez loin, là, un peu plus au nord, nord-est, donc c'est sûr que là, la M, c'est pas possible dans ces cas-là. Hein. Les 73 Eric, comment vas-tu? Ok Rémi, 73, les amitiés, donc je ressalue Jean-Paul, je ressalue toutes les stations qui sont à l'écoute, Ok, les bonnes 13-51 Chameau. Alors de mon côté, c'est très très QRP. Il a fallu que je monte pas mal de volume, peut-être même aux deux tiers là, au niveau du DK.
Tu verras là dans la vidéo, là c'est vraiment très QRP, mais là ce coup-ci je t'entends quand même par rapport à avant. Hein. Voilà, donc si tu es orienté comme je le pense, ça devrait le faire, c'est-à-dire que tu m'attrapes par l'arrière droit de ton push, de ton véhicule, c'est ça? Ah non, c'est mieux qu'avant. Si, si, c'est quand même mieux qu'avant. Hein. Avant, je l'entendais quasiment pas. Ou alors, c'était vraiment... Là, en montant le volume, je peux arriver à deviner ce qu'il dit. Je peux arriver à l'entendre. Alors qu'avant, c'était niet. Hein. C'était à peine... c'était tout juste si j'arrivais à le deviner dans le lointain, quoi. Non, mais là, c'est sûr que ça s'est quand même bien amélioré. Donc, ouais, l'antenne, ouais, les stations, là, pour vous expliquer un petit peu. Suite aux mésaventures de la dernière fois avec Chameau, enfin, au niveau de Chameau, là, sur son véhicule, et, ben, il s'était pris un coup de téléphone. Et celui-ci lui a fait plus mal que prévu. Du coup, son antenne avait giclé sous son fourgon, enroulé autour de l'essieu. Hachi. Bon, ben, évidemment, l'antenne, elle n'y a pas résisté, quoi. Et donc c'est mardi, oui c'est ça, et là il est venu au QR1, au salon de Marennes, on lui avait trouvé une antenne, une Santiago 600, et je lui ai prêté là un câble plus un support de gouttière, et du coup on a monté l'antenne, et bien juste à côté de sa portière, là, côté gauche, et ce qui lui permet de pouvoir être à nouveau en fréquence, voilà. Et après une fois rendu chez lui, bon, on avait fait quelques petits tests, et là, ça marchait quand même mieux par rapport à sa ML145. Voilà pour les explications. Retour Jean-Paul. Oui, ok, Florent, je t'entends, mais alors, comme j'ai quelques QRM, c'est assez difficile, hein. C'est assez difficile, je comprends ce que tu dis, mais on s'est parlé tout à l'heure, donc sur le voyage sur Pessac, donc voilà, mais là je t'entends vraiment en QRP, c'est parmi les QRM, hein, c'est parmi les QRM, je t'entends, je comprends ce que tu dis, à condition que tu parles pas trop vite. Voilà, retour si tu m'entends. Ok, ben là oui, c'est vrai que là c'est quand même plaisant quoi. Et c'est bien la première fois que Chameau passe comme ça quand même de notre côté, parce que jusqu'à maintenant on l'entendait plus quoi. Alors autrement, cette semaine, qu'est-ce qu'il y a eu? Est-ce qu'il y a eu un peu de propag et tout? Parce que là, durant toute la semaine, j'ai absolument pas pu me mettre en fréquence.
Lundi, mardi, mercredi, j'ai bossé en journée, donc debout à 4h du matin. Hier, aujourd'hui, j'étais en stage, ce qui fait qu'à aucun moment j'ai pu venir en fréquence. Jean-Paul, il y a eu un peu de propag ou pas là, durant la semaine? Ah, excuse-moi, si Jean-Paul, c'est à toi que... Ouais, je te demandais si durant la semaine il y avait eu de la propag, étant donné que moi j'ai absolument pas pu me mettre en fréquence. Ok, d'accord. La carte des propagations, là tu m'intéresses. Tu la trouves où cette carte? Sur internet, hein. Sur internet, la carte des propagations, tu la trouves sur internet. Ouais, non, mais je veux dire, non, je me suis mal expliqué. Ouais, je m'en doute. Est-ce qu'elle a, y a un nom précis pour la trouver? Non, tu mets carte des propagations des ondes radio et tu vas la trouver. Ok, parce que j'en ai bien une carte de propagation, mais elle est en temps réel. Et ce que j'aimerais bien trouver, c'est justement avec les prévisions. Ah ouais, moi je les ai, les prévisions, mais c'est pas sur la même chose. C'est sur Amsterdam, puisque je parle aussi sur Amsterdam, donc la journée, il n'y a personne. Il n'y a personne, il faut bien discuter un peu à droite ou à gauche, alors je module sur Amsterdam. En temps réel aussi, mais j'ai la carte des propagations bien sûr à l'avance, hein, donc je l'ai sur je vais regarder ça exactement comment ça s'appelle, mais je l'ai sur plusieurs endroits, sur l'endroit où je dirige mon horizontal, pour l'endroit des pays, et ça me donne les propagations aussi. Voilà, donc j'ai deux sortes de propagation, la propagation locale immédiate et ou à venir dans l'heure, ou alors les propagations à venir dans les jours à venir, quoi. Donc ça c'est William qui m'avait donné la carte et qui m'avait dit où la prendre. Voilà, donc il faut que j'aille voir si sur Orbe, donc comme ça je me rappelle plus trop, hein, c'est dans l'ordinateur, je ne sais pas. Il faut que j'y regarde. Je te retourne le micro, parle et je vais regarder. D'accord, ok, ben là voilà, j'ai lancé une petite recherche. Alors attends, parce que là je viens de trouver le site sstvpa.casio.com, carte de propagation des ondes. Alors, et dessus je tombe sur un lien. C'est VHF propagation map. Non, zut, c'est pas trop VHF que je veux. Alors, zut. Alors, que je revienne sur le site. De toute façon, au niveau carte, j'ai l'impression qu'il n'y a pas des 100 et des 1000. Alors, voyons ça. Eric, j'ai vu que tu as mis une annonce là sur le forum. Non, pas Eric, c'est Fabrice. Non, il n'est pas encore là. Alors, voyons ça un petit peu. En attendant, je vais voir s'il y a d'autres stations là qui viennent d'arriver. Alors, les stations en fréquence pour le QV sur la salle du canal 27, est-ce qu'il y a du monde?
qui veut rentrer dans le QSO. René. Oui, Eric. Ça va pas ici, si je vais expliquer. Le CRP, alors, qu'est-ce qu'il a? J'ai pas eu le temps non plus de m'en occuper durant toute la semaine. C'est pas le poste le problème. À mon avis, ça doit être le petit boîtier que j'ai à l'intérieur avec voltmètre en permette. Je pense que ça doit être lui qui a claqué, puisque voilà, j'allume l'alimentation. J'ai fait mon petit contrôle le soir même, du coup, en sortie d'alimentation. Donc là, il n'y a pas de problème. Il y a du jus qui part vers la station. Mais quand j'essaie d'allumer l'alphalima et puis le ventilateur que j'ai au fond, eh bien, j'ai plus rien. Donc, le problème, il est vite vu. À tous les coups, c'est mon petit boîtier avec 8 mètres en permette. Il faut que je le vire et que je branche en direct, et puis voilà. Et puis, ce sera l'occasion en même temps de changer là, le fil d'alimentation même du poste. Donc, pour moi, le problème, il est cerné. Hein. À tous les coups, c'est ce petit boîtier que j'ai là sur la gauche, avec les 8 mètres. Ouais, donc ça n'a rien à voir avec le poste. Le poste, lui, il te disait juste qu'il n'avait pas ses deux vues. Exactement, voilà. Il me signalait une anomalie quelque part. Eh bien, l'anomalie est arrivée, mais c'est pas au niveau du poste, puisque j'ai plus de jus du tout dans tout le coffret. Voilà, ça arrive jusqu'au coffret, et puis après, l'intérieur, c'est plus dispatché, quoi. Ok, d'accord. Bon, mais on ne va pas faire ça, si c'était le poste qui a eu un problème. Ah ben, tu m'étonnes. C'est sûr, oui. Ok, bon, ça va se rassurer, alors. Moi aussi, même si cette semaine, j'ai pas eu 5 minutes, justement, pour tester le poste. Mais bon, là, je suis confiant, dès que j'aurai refait le branchement, brancher sans les 8 mètres en permettre, puisqu'après tout, de toute façon, j'ai ça, c'est directement sur l'alimentation, ça me suffit bien. Mais il faut dire aussi que j'ai un petit peu cherché le bâton pour me faire battre à ce niveau-là, puisque je vois là, l'ampèremètre, il est prévu pour, il est gradué jusqu'à 30 ampères. Je tirais plus que ça, donc à chaque fois, j'ai l'aiguille qui cognait. Donc le circuit à l'intérieur, il n'a pas résisté, et puis c'est tout, quoi. Ouais, si tu connais quelqu'un qui veut un poste suivi, tu me le diras, parce que moi, je vais changer. Alors là, à la minute... je crois que sur le groupe, là, sur Facebook, t'as peut-être du monde qui cherche justement du matériel, je crois, en ce moment. Putain, mais toi, ça te démange, hein, ça te chatouille à chaque fois. Ouais, bah, quand on peut, ouais, pourquoi pas, après tout, hein. Voilà, ok, pas de problème. J'ai passé mon info. Allez, retour à Florian. À toi, Florian. J'ai un peu de cuir à moi. Sur le terrain, il faut que tu te rendes attention.
faut pas que tu te mettes sur le canal 8. Le canal 8, c'est pas autorisé. Hein. Faut que tu te mettes sur le numéro 53, le canal 8, c'est le 55. Hein. Ok, ben là j'ai une petite montée de QRM de mon côté, du coup Chameau, là je comprends plus ce qu'il dit là. C'est, il est un petit peu noyé là, dans les QRM. Oh, c'est pas épais pourtant, hein, parce que j'ai à peine un point de QRM, mais c'est suffisant là pour le couvrir. Ok, alors est-ce qu'il y a d'autres stations en fréquence en attendant que Jean-Paul revienne? Mais Jean-Paul il est là. Hein. Ok, t'es de retour. Oui, je suis de retour là, pour regarder ça, j'ai tout sur internet, internet est allumé, je commande tout depuis à côté de mon micro, là, donc ouais, moi j'ai ça sur AsiWorld et AsiWorld France, voilà, donc avec, il te faut le locateur, il te faut le locateur là où tu es, et ça te donne la carte digitale avec les prélèvements des propagations. Je peux te dire que nous on est en marron, je viens d'y regarder là. Je viens d'y regarder et on est dans le marron, le jaune il est beaucoup plus loin là-bas, donc il n'est pas encore arrivé chez nous. Donc je crois que c'est pas pour demain qu'on aura de la propagation. Abiwar de France propagation. Ok. Ouais, ben, je sais plus, l'année dernière, à quel moment on avait commencé, ça avait commencé à monter, ça avait déjà commencé à monter l'année dernière. Ouais, mais bon, l'année dernière, c'était l'année où là, c'était au maximum, apparemment. Ouais, donc là, c'est un petit peu normal que ça décale, quoi. Ouais, l'année dernière, on avait fait un peu déjà le Canada, mais il y en a qui ont déjà fait le Canada, hein. Il y en a qui ont déjà fait le Canada, mais ça s'est resté très peu de temps. Hein. C'est resté très peu de temps. Moi, j'ai fait la Martinique, j'ai fait quelques pays, mais ça peut durer longtemps, tu vois. Juste, ça a été une histoire de 5 minutes et ça relâche aussitôt. Donc, c'est pas. J'ai fait un gars en Algérie, un Français qui fait l'école, un vrai instituteur. Là, j'ai pu parler avec lui 10 minutes, mais tu vois, c'était tournant. Et il y en a eu, c'est hier soir ou avant-hier soir aussi, il y avait tous les départements français qui passaient, mais qui tournaient. Ça a tourné et à 5 minutes, il n'y avait plus rien. Donc, tu vois, ça a été très, très, très rapide. Ah ouais, je vois ça, ouais. Eh ben, en tout cas, c'est vrai que là, j'y pensais cette semaine, mais et puis en plus de ça, je vois là, hier, aujourd'hui, bon, ben, vu l'heure à laquelle fais-je descendre sur Bordeaux, donc impossible de prendre la voiture, et heureusement, parce qu'alors là, pour le coup, à chaque fois, je suis arrivé à la bourre. Ouais, bon, ben, j'espère que ça va arriver bientôt, quand même, parce que là, ça se fait attendre, hein. Et les Québécois, de leur côté, là, j'ai vu, là, sur leur groupe Facebook, hein, ils s'impatientent un peu, là. Par la même occasion. Oui, mais les Québécois, ben, ils font comme nous, je crois.
crois qu'ils attendent un peu de l'ouverture des propagations. Ils ont parlé déjà un peu. William, j'ai entendu parler avec les Québécois, mais ça n'a pas duré. Ça n'a pas duré longtemps. Pourtant, lui, avec l'antenne qu'il a, il peut voir venir. Hein. Mais non, il n'y a rien. Moi, j'ai l'antenne tournée justement vers là, la directive. Mais non, c'est souvent que je fais des petits tours. Je suis à peu près où ils sont. Ok. Non, ben là, c'est même pas la peine. Puis en plus, moi, le pocket, là, il est posé sur la table. J'ai la batterie dessus qui est presque à plat. Donc, et puis là, on est trop loin, là, pour faire un essai, quoi. Ah, ça peut passer. Regarde, je vais juste la blague, et puis la raison. Hein. Ouais. Bon, il aurait fallu que je mette en charge avant, quoi. Parce que là, je m'en suis servi un petit peu, là, comme ça, en écoute, là, ces jours-ci, là, au pro. Et donc là, j'ai pas mal vidé la batterie, elle est presque à plat, la batterie, là. Ok, pas de souci. T'as regardé l'heure sur ta vidéo ? Alors, que je te dise ça, il reste 2 minutes 35 secondes. Voilà, exactement. Oh, t'as vu, j'ai dit, je savais que c'était pas loin. Ouais, il y a Thierry qui devait venir, mais je l'ai pas entendu. Que quand je suis là, il ne veut pas parler, alors je ne sais pas pourquoi. Ah, je... Il y a ma présence aussi qui le dérange. Oh, bon, on s'est respecté un peu dessus une fois, et on s'est dit qu'on avait à se dire, puis pour la ligne. Hein. Donc, après, on n'en parle plus, c'est fini. Hein. Donc, après, il faut passer à autre chose. Hein. On n'est pas des enfants, donc on est des adultes, il faut toujours passer à autre chose. Eh oui, mais bon, il y en a qui oublient de grandir. Voilà, bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Voilà, je croyais qu'Eric allait me faire pareil, mais non. Non, tu m'as rien fait. Non, je crois pas, non. Je me suis même pas engueulé avec Christian 43, hein, parce que j'ai juste respecté quand il a dit il est feignant, il reste à la maison alors que sa femme va travailler, c'est normal, j'ai 71 ans, et ma femme elle en a 48, c'est pas pareil, donc elle va travailler pour sa retraite déjà, donc déjà, et puis moi j'étais malade, de toute façon, 71 ans, je peux pas aller travailler, voilà, donc je suis à la retraite déjà, donc malheureusement, si je pouvais y aller, j'irais. C'est pour ça que l'autre jour j'ai rouscaillé un peu. Voilà, donc, mais je ne me suis pas fâché avec Christian, je le connais depuis tellement longtemps que je le connais, un jour il va râler, puis le lendemain ça va mieux. Ouais, ça tombe bien. Alors voilà, 30 secondes, la vidéo est en train de prendre fin. Donc de la part de l'ensemble du groupe, les bains sont 13-51. À vous tous, nous on continue le QSO hors vidéo, voilà, bye bye, nous on continue, voilà, coupure de la vidéo, maintenant.